spectateurs, soyez les bienvenus pour la dernière fois. Raccrochez, car pour la dernière fois, nous allons vous faire gagner des cadeaux. Car pour la dernière fois, voici le Big Deal sur le plateau de TF. Et dis donc, où t'es, toi, là? Bah, es-tu déjà en vacances? Moi, c'est la plage. Mais qu'est-ce que tu fais déjà sur la plage? Bah, parce que j'avais envie de partir. Tu veux venir avec moi? Bah, non, mais attends, on a quand même une émission à faire, là. Oh, pardon, Vincent, transmutation en décor, soucoupe, ma soucoupe, elle revient. Hop là. Ah, bah là. Voilà. Bah. Bien. Ce soir, 4 deals au lieu de 5, 4 deals, 1 deal. Et à la fin de l'émission, eh bien, en quelques instants, on va vous présenter toutes les personnes qui participent à l'élaboration de cette émission. Et je peux dire, grâce à vous, grâce à ce succès, et si ce succès est là, c'est encore une fois grâce au public. Et c'est moi qui vous remercie de nous avoir accompagnés tout au long de cette demi-saison. Voilà. Allez, tout de suite, le premier deal, mais avant, non, parce que là, si je les oublie le soir de la dernière, mon Dieu, je vais me faire engueuler pendant toutes les vacances. Pour la dernière fois, avant la reprise, mesdames et messieurs, voici les cafettes. Oh, c'est génial, j'adore. Génial! Ça va les filles! Oh les filles! Oh ouais, non, c'est l'été! Et hier, vous nous avez fait un truc qui était vachement bien. Vous voulez pas le recommencer, mais à partir de ça. Ah, vous voyez, vous êtes petites joueuses, hein. Bien, Bill! Les filles, elles sont prêtes à partir avec toi à la fin de l'émission dans la soucoupe. Hein. Oui, voilà, c'est calme. Allez, le premier deal, je vous propose de jouer avec un stylo géant. Et c'est Alain et Corinne qui vont s'y coller. Merci les filles. Alain et Corinne. Corinne qui regarde un peu en l'air comme ça. Ça va Corinne? Ça va. Je vous sens un peu traqueuse. Un petit peu. Bonjour Bill. Oh, bonjour Alain, bonjour Corinne. Vous êtes mariés tous les deux? Oui. Officiellement? Oui. Officiellement. Vous êtes d'origine asiatique, vous, hein? Oui. Oui, parce que vous me direz que vous êtes né à Stockholm, on aurait du mal à vous croire quand même un petit peu. Vous nous arrivez d'où, vous, belle comme ça? Vietnam. Vietnam. Oui. Et vous? Vous l'avez trouvé là-bas ou... Non, je l'ai prise ici à Montfermeil, ah, ouais. À la ville de Cossette. Bah oui, vous aviez pas le transport à payer comme ça. C'est, ouais, non, mais... Ah ben, il y a des avantages, hein, faut pas mégoter non plus, hein. Moi, j'en ai trouvé une dans la ville où j'habitais. Donc, comme ça, j'ai même pas été embêté, tu vois. J'ai été habité chez ses parents, j'ai même pas eu la maison à acheter. Puis je roulais avec la voiture de la belle-mère, hein, elle est pas embêtée. Vous êtes mariée depuis combien de temps? 8 ans. 8 ans. Comment on fait pour 8 ans? C'est long. Ben, non. Non, non. Vous avez fait combien d'enfants en 8 ans? 2. Très bien. Est-ce qu'il vous écrit de temps en temps quand vous êtes séparés? Êtes-vous de temps en temps séparés? De par sa profession, vous travaillez dans quoi? Je suis superviseur technique dans l'hygiène urbaine. Oui, oui, ça a l'air très simple. C'est sympa, hein? Et faites quoi, vous? Secrétaire. Très bien, et ça marche? Oui. Ok. Donc, je disais, quand il part ou quand vous partez en vacances, que lui doit retourner bosser, enfin bon, bref, est-ce que vous vous écrivez? Oui. Oui. Un petit peu. Oui, oui, un petit peu. Bah, avec secrétaire, donc elle en profite. Surtout téléphone. Hein. Oui, oui, bah, c'est vrai que maintenant qu'il y a le téléphone. Je vous propose qu'il vous fasse une déclaration. Oui. Hein? Je vous propose qu'il vous écrive un truc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en annonçant le jeu, c'est une histoire de stylo géant que vous avez certainement vu. Parce que quand vous êtes arrivé, je vous ai vu, vous étiez là comme ça. Allez, on se décale un petit peu et on descend le matériel du Big Deal. Alors, rappelez votre prénom. Corinne. Corinne, on va vous installer dans le stylo. N'ayez crainte, les élastiques sont éprouvés avec notre ami Platane. Et vous allez avoir avec votre femme dans le stylo à dessiner un objet qu'il va falloir qu'elle découvre pour gagner le cadeau. Bill, on va faire gagner quoi? Eh bien, écoute, mon ami Vincent, voilà, dans le chrono que tu vas donner tout à l'heure, il faudra donc reconnaître un message et gagner donc... 5000 francs. 5000 francs. D'accord. Je vous en prie, venez, donnez-vous la peine. Glissez-vous à l'intérieur. Voilà, tenez bien votre jupe. Glissez-vous à l'intérieur. Voilà, allez pas tomber, hein, quand même. Voilà, allez-y, voilà. N'ayez crainte, on regarde pas. On regarde pas, on regarde pas. Vincent. Voilà, oui. Allons, Vincent. Quoi? Oh, pile, oh, pas de ça chez nous.
Oh, non. Surtout un soir de dernière, allons. Oh oui. Allons, qu'est-ce que tu fais, Platane, là? On la voit plus. Hein, c'est parti, c'est parti, envoyez. Voilà, vous allez, quand vous serez à la verticale, vous sortirez votre... Oula. Attention, ça va tomber, attention. Attention, ça va tomber. Oh, c'est le petit, la petite boule du bic, vous savez, t'appuies dessus. Là. Ça va? Ça va. Bien, alors regardez bien. Regardez pas vous, hein. Regardez bien. Il faut écrire ceci. L'écrire ou le dessiner? Non, il faut écrire ceci. Mm-hmm. Et en moins de combien de temps? En une minute, Vincent. En une minute, Vincent. Il faut écrire ceci. OK? Ensuite, au bout d'une minute, eh bien... Mais non, faut pas mettre de haut public, tourne. C'est que des tricheurs, là-dedans. Ouais. Bien. Attention, en une minute, il va écrire quelque chose. Ce sera à vous d'essayer de savoir ce qu'il a écrit. OK? Allez, une minute, top, c'est parti. Facile. Chut. Soufflez pas. Si vous arrivez à lire à l'envers, j'imagine que va y arriver à l'endroit, hein. Ouais, ça c'est facile. Hein. Stop. Allez. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? Le public ne souffle pas. Vous voyez? Vous voyez? Soleil. Ouais. 5000 francs. Vous gagnez 5000 francs. Alors, on va tourner la feuille de papier, hein? T'as la tourner tout de suite, là. Ça va tomber, celle-là, hein, tu vas voir, hein? Elle va tomber, celle-là. Pas chiche, Vincent. Si, mais que quand il reste comme ça, parce que quand il se lève, il faut que je lève la main pour le gifler. Alors, vous avez gagné 5000 francs. Possibilité pour vous, soit d'arrêter maintenant et de prendre le rideau, soit de doubler vos gains en essayant un nouveau défi au niveau de l'écriture. On continue? On continue? On continue. Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Là, 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 ils vont pas être contents quand ils vont voir qu'ils ont perdu le home cinéma, un superbe rétroprojecteur pour regarder les films comme si on était au cinéma, mais oui, d'une valeur de 29 990 francs. Perdu les poules! Mais là, c'est dommage parce que ça a déjà grabouillé, hein. Ça a fait de grabouiller un peu, là. Bien, alors, viens voir. Voyez, là, viens, on tourne un peu parce que c'est le public qui triche. Maintenant, il va falloir dessiner ça. OK, vous avez vu? Mm-hmm. OK, allez, vous l'avez vu, vous? Il faut dessiner ça. Mm-hmm. Allez. Bien, en une minute, hein. Non, attends, non, c'est pas ça. Combien de temps? Il n'a pas pris toute la minute tout à l'heure. Mais de toute façon, c'est épuisé, je lui redonne une minute, c'est la règle. Tu es petit, tu es laid, tu es très laid, tu es petit, tu es médiocre, tu es un nain. Allez, je prends exemple sur toi. Moi, je t'aime, toi. Moi aussi. Allez, on est reparti pour une minute. Ça va, vous êtes pas trop secoué là-haut? Voilà. Oh là là. Faites suffisamment clair pour que votre épouse puisse deviner, hein, ce que vous êtes en train de dessiner. Il n'écrit pas, il décide, là. Hein. Soyez gentils, les enfants, les parents, soyez gentils. C'est pas non plus complètement la récréation. C'est un jeu, c'est une télé, vous avez fait de la télé, là, quand même, un peu. C'est pour éviter que je monte et que je frappe les enfants, tu vois. Parce que la petite, je vais la prendre par les pieds, je vais lui taper la tête sur la barrière, ça va faire drôle, t'as l'air. Non, je rigole, hein, mes mères, hein, je rigole. C'est ta grand-mère à qui je vais faire ça, hein, c'est pas... Non, mamie, je plaisante, hein. Bon, ben, ouais, on peut dire que c'est fini, hein. On peut, ouais. Bien, allez, regardez qu'a dessiné votre époux. Des lunettes. Ouais. Et c'est gagné, ça fait 10 000 francs. Allez, les enfants. Patrick, Lardon, s'il vous plaît. Bien, on a gagné 10 000 francs, on va descendre votre moitié. On regarde pas. On regarde pas. Allez, alors, maintenant le jeu est... c'est là que la complexité arrive. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Oh, c'est une fille. Surtout, l'aidez pas votre femme à sortir. Hein, non, non. Ouais, voilà. Merci. Bravo. Quel métier. Vous avez travaillé avec Rémi Julien, vous? Oui.
Approchons-nous un petit peu. Ça va? Oui, oui. Ça va mieux que tout à l'heure, hein? Très bien. Le tout, c'est de rentrer dans l'arène, hein, après voilà. Une fois qu'on est lâché. Vous avez gagné 10 000 francs, net d'impôts. On les garde ou on les échange contre le rideau? On les garde. On les garde. On les garde? On les garde. C'est votre droit et votre choix. Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Ah là 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 là, ils ont perdu les superbes pinceaux à calligraphie d'une valeur de 671 francs. Ah, on ne regrette pas. Absolument pas. On se dit à tout de suite pour le Big Deal en fin d'émission. Passez par l'escalier. A tout de suite. Merci beaucoup. Pour la dernière fois de cette saison, Ramucho nous a fait la gentillesse de venir interpréter quelques morceaux de son choix. Et c'est Irène qui devra les deviner. Salut Irène. Bonjour. Ça va bien? Bien, ouais. Irène, Bill, Irène. Bonjour. Enchantée, Irène. Décidément, Irène, ce soir, vous êtes la reine. Bah, merci. Elle me connaît mieux sous le nom de princesse Erika, mais elle voulait pas qu'on le dise, hein, donc... Ça va, Irène? Oui, très bien. Vous nous arrivez d'où? Paris. Oui, non, mais belle comme ça. Sénégal. Vous êtes sénégalaise, à la bonne heure. Vous êtes fiancée, mariée? Non. Vous recherchez? Non, non plus. Si. Vous avez un casse-croûte dans la vie? Ouais, quelques-uns comme ça. Ouais. Ça dépend, on est quel jour aujourd'hui? Vendredi? Ah bah oui, j'en ai deux aujourd'hui. C'est demain, j'en ai pas. Par contre, le dimanche, 5. Ah bah oui, elles sont du Seigneur. Hein. Faites quoi dans la vie, Irène? Je suis prof de danse. C'est vrai? Oui. Génial. Les gars, faites, vous êtes virés! Vous voulez chanter quelque chose? Vous avez envie de chanter? Bah oui. Généralement, quand on danse, on a la voix qui suit avec. Hein. C'est, oui, c'est, j'espère. Ouais. Qu'est-ce que vous chantez? Madonna, Like a Virgin. D'accord. Ok, ça faut y aller, hein, vous êtes gonflé. Hein. Ah oui. Like a virgin, touch for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to mine. Ouais! Faut y aller, faut y aller. Moi je dis bravo, c'est bien. Allez, avançons-nous un petit peu, Irène, venez là. On tourne le dos au public et on accueille Ramucho. Là je suis sur la plage à Acapulco. Ah ben oui, bah, tu sais, ça gagne bien la télé, hein, tu sais, c'est sympa, hein. Oui, attends deux secondes, je suis obligé, il y a un monsieur qui me demande ma serviette, hein. Je te laisse, hein. Oula, salut tout le monde, les gens. Salut, Vincent. On vous gêne pas? Non, parce que je suis un petit peu en vacances déjà. Ah. Et alors, donc, à qui vous étiez en train de faire croire? Vous étiez à Acapulco? Des copains à moi, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est pas tellement honnête. Hein. Non, c'est vraiment pas bien. Ouais, et puis, ils vont me voir à la télé et je suis niqué, quoi. Voilà. C'est, voilà. C'est pas le mot que j'aurais employé, mais. Mais je l'ai employé. Et voilà. Voilà. Voilà, c'est la dernière. Je suis un peu en vacances. Hein. Du coup, comme vous l'avez employé sans nous prévenir, du coup, c'est nous qui sommes niqués. Wow! Ouais, qu'est-ce qui se passe? Vous allez jouer de la paille? Non, j'ai tout enregistré, oh, c'est tout prévu, hein! Ah là, je vais aller nous la jouer sur ce coup-là. Vous voulez peut-être un petit jeu de mots? Ouais. Oui. Oh, mais vous êtes pénible, je dis que j'étais en vacances. Bon, là, j'en fais un, vraiment, c'est vraiment pour vous. Hein. Ça te dérange pas que je t'appelle Yves, Vincent? Non, du tout. Non? Alors, Vincent, comment te prénommes-tu? Je m'appelle Yves. Oui, bonjour Yves. Tu vas bien, Yves? Bonjour, Ramucho, ça va? Je vais te poser une question. Alors, comment appelle-t-on les bureaux de poste ou de banque? On appelle ça une agence? Oui, c'est ça, c'est l'agence, Yves. Oui, c'est l'agence, Yves, c'est ça. Salut, Ramucho! Oui, non, mais faut pas lui en demander trop non plus, Irène. Oui. Bien, allez! Irène, chaque fois que vous reconnaissez un des morceaux que va nous mettre en lecture sur son cassette, Ramucho. C'est moi qui joue, hein, donc ça joue mal comme d'habitude, ouais. Hein, ça ne change pas. Hein. Donc vous avez à moitié triché. Oui, à moitié triché. Allez, on vous écoute. C'est parti. À moitié triché, à moitié mité. Hey.
Terminé, il me faut. Eh, regardez, regardez. Les... Ah. Eh oui, mais c'est perdu, Irène. Et voilà, ça recommence. Et OK, Heidi, Heidi, Heidi. Bon, Irène, c'est perdu sur ce coup-là. Allez, Irène, on élimine un cadeau. C'était pas mal. Ouais, c'était bien, c'était super. Là, t'es super, t'es super. Vas-y, dors encore un peu. Irène. Venez, on va vous faire du mal. Oui. Vous avez décidé d'éliminer le orange. Oui. Là, vous allez craquer. J'ai pleuré. Ah ouais. Des larmes de couloucoudine. Eh bien voilà, vous l'avez perdu, le téléphone de l'an 2000, ouais. Le seul à avoir un agenda incorporé avec écran tactile, ouais. Avec en plus un kit, ouais. Synchro pour aller sur un PC. Ouais. L'homme qui a un téléphone comme ça, c'est un homme, ouais. Qui sait se faire respecter, ouais. Et ça vaut 8090 francs. Ah ouais, d'accord, il n'y a pas de message, hein, y a rien du tout. Allez Irène, on s'en fait un autre. Ouais, on peut s'en faire un deuxième avant, ouais. Les vacances. Tu me dis si j'ai pas appuyé, tu me préviens, je suis okay. Là, je suis là, je suis tranquille. Attention, on va appuyer, ouais. On appuie. Oh, c'est parti. Écoutez bien. La taquetine du gendarme. La taquetine. Bravo. La tactique du gendarme. C'est bon, merci Ramucho. Oui. Merci beaucoup, c'est bon. Elle a donné la réponse. Oui. La tactique du gendarme. Okay. Bon. Bravo Yoël. Allez, on se fait du bien. Ah oui, on se fait du bien. Hein. Bon. Bon. Le jaune. Choisissez. Le jaune. Mimi Mati, qu'est-ce que tu fais là? Bon, Irène, qu'est-ce qu'on fait? Le jaune. Allez, le jaune, oui, on respire le jaune. Allez, viens, viens dehors. Voilà. Yeah! Eh bien, vous l'avez gagné, la Jennifi Stéréo, superbe, magnifique, pour épater vos amis, bon. Pour séduire vos voisins, car elle fait un son d'enfer génial, top, cool, super dément. Et ça vaut 4990 francs. Ouais, super. Allez, Irène, on s'en fait un dernier. Appuie sur le bouton. Ouais, ok, Vincent, ça marche. C'est le oui, même. Mais ça y est, c'est bon. Oui, c'est ça. Tu peux appuyer sur le bouton d'à côté. Ah, d'accord. Il a dû me plaire, celui-là. J'ai fait deux fois. C'est parti. Allez. Est-ce qu'on est bien dans son bain, c'est pas ça? Ah. Oh là là, désolé, tout bronzé. Désolé, Irène. On est blanc, quand on est blanc, quand on est l'été. Bon, faut éliminer encore un cadeau, Irène. De toute façon, oui, Bill. Je crois que j'ai une idée. Oui. Si on prenait juste la radio à la rentrée et qu'on virait Ramucho. On ferait des économies, c'est une bonne idée. Ben du voilà. Coup, il gagnerait moins bien à la télé. Ça va, oui. Entendu, Ramucho? Oh, non, mais toi. Bill, il a eu une bonne idée. Oh, dis donc, Bill, c'est pas très sympa. Non, on va garder... Oh, il a raison, on va garder le magnétophone que vous avez piqué, d'ailleurs, dans le stock, oui. Des cadeaux. Oui, et je peux pas les garder. Non, non, on va le garder, ça, parce que c'est vous qu'on va pas garder. D'accord, et les jeux de mots, alors? Eh ben, vous allez nous en enregistrer en avance dessus. D'accord, ça voilà, marche, ça marche. Ça. Irène. On élimine le rouge. Le rouge, allez. Viens dans la gazelle, nous allons t'éliminer. Alors. Oh ben on a bien fait. Hein. Eh bien, vous l'avez perdu, comme c'est dommage. Vous l'avez perdu, le plateau de Bill avec sa radio. Ça vaut 200 francs. Très bien, il y en a pour combien? Là, il y a juste la chaîne stéréo, du coup. Oui, tout à fait, pour l'ami Vincent, et elle vaut 4990 francs. Qu'est-ce qu'on fait de cette chaîne stéréo? On se la garde ou on se la fume et on se la met sur l'oreille, on la fumera plus tard? On prend le rideau? Oui! Allez, rideau! Formidable et fantastique! Vous venez de gagner un caméscope! Mais pas n'importe quel caméscope! Un caméscope numérique! C'est-à-dire que vous pouvez filmer des numéros! D'une valeur de 21 000 francs! Oui! Bon, l'affaire est bonne? Oui! On se retrouve tout à l'heure pour le big deal? Oui! On se fait un bisou? Oui! Ah bah, et moi?
Voilà, vous êtes que des jaloux. Irène, passez par l'escalier, merci beaucoup. Ramucho ! Oui, Vincent ? Bonnes vacances ! Oui, merci à toi aussi, Vincent ! On se retrouve en septembre ! Bien sûr ! Et pendant l'été, vous continuez à jouer un petit peu ? Oui, toujours au Blanc-Manteau, toujours ! Jusqu'à quand ? Je crève, tu sais ! Au Blanc-Manteau à 21h15 tout l'été, l'ami Bud ! Salut à la rentrée, Bud ! Allez, tout de suite, le jeu de mille avec Annie ! Ouais, c'est le jeu de mille ! Madame, ta mère. Bonjour Annie. Bonsoir. Ça va bien Annie? Ça va. Annie, Bill, Bill, Annie. Bonjour Bill. Tu veux un bisou? Peut-être, oui. C'est... Ah ben voilà, ça y est, ça devient sexuel là. Ouais. Bonjour. Vous nous arrivez d'où Annie? De Mantes-la-Jolie. Vous faites quoi dans la vie Annie? Je suis professeure en éducation spécialisée dans un collège. C'est quoi l'éducation spécialisée ? Je m'occupe d'adolescents en grande difficulté scolaire et sociale. D'accord. Ben voilà, voilà, voilà des gens, voilà des gens comme on en a besoin. Qu'est-ce que... Oui, Bill. Excuse-moi, mais t'as une grosse trace de rouge à lèvres sur ta joue. Oh, la honte. C'est vrai, et c'est pas vrai, moi. Oh là là, là, tu vas te faire gronder par ton épouse. Non, mon épouse, elle ne me gronde jamais. Oh, mais c'est qui c'est? C'est une admiratrice, hein? Tu es James Bond. Ouais. Tu as un agent secret terriblement séduisant. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut découvrir aujourd'hui? Il faut découvrir mon ami Vincent. Mais qui es-tu? Un fruit? Non, je suis pas un fruit, moi. Non, ça, oui, d'accord. Je me demandais quel était ton secret, mais il faut découvrir un fruit. D'accord. Et mettez le casque sur vos oreilles, Annie. Allez. Et écoutons le premier indice. Premier indice. Oh, tu sais que je veux bien me faire verbaliser tous les jours, moi. Alors écoutez bien, j'ai la peau lisse. Ah ouais. Moi je vois bien un flic arriver, alors on va souffler dans le ballon. C'est vrai. Un fruit, j'ai la peau lisse. Ah là là. Un deuxième indice. Bon, oui. On va s'en faire un deuxième. Bonsoir. Bonsoir. Deuxième indice. T'as une tache, la Clarisse. Une tache? Là, t'as une tache, là. Je porte la poisse. Ah, c'est pas nouveau, ça. Non. Mamour ! Police, porte la poisse, cherche un fruit. Je vois pas. Alors, pour l'instant, c'est un fruit qui, certainement, paye un peu. Quelqu'un a trouvé, déjà ? Moi, je pense, Vincent, que ce troisième indice va être capital. Capital. Oula. Excusez-moi. Alcoolisé, on m'appelle chérie. Ah oh bah oui. Ah ouais, elle fait l'ivrogne. La cerise. Bien joué. Oui, merci. 6 000 francs. Bravo, wow, 6 000 francs. Super. Enlevez votre casque, Annie. Annie, vous avez remporté 6 000 francs et la possibilité d'échanger ces 6 000 francs contre l'écran ou contre le rideau. Quel est l'objet de votre choix? 6 000 francs net d'impôts. Le rideau. Allez, je suis pour jouer. C'est vrai? Vous avez une voiture? Oui, j'en ai une. Elle est en bon état? Oui. Bon, il n'y a pas besoin de la changer. Il y en a une qui se présenterait, serait la bienvenue. Ah ouais, quand même. Vous aimez les voyages? J'adore les voyages. C'est vrai? Où est-ce que vous êtes parti le plus loin? Oh, le plus loin, pas bien loin. Sud de l'Espagne. Non, sud de l'Espagne. Sud de l'Espagne. Portugal, ouais. Ah, quand même, vous avez bougé. Mais vous n'avez pas fait outre-Europe? J'ai pas, non, oui, voilà. D'accord. Et si on partait en voyage, ça serait le top? Ah oui, là, vraiment. On peut qu'on vous file la bagnole avec. Alors là, le rêve. Ouais, et puis s'emballer un bounty aussi, non? Allez, vous décidez de prendre le rideau. Je prends le rideau. OK, regardez ce qu'il y a dans l'écran. Ah là 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 là, derrière l'écran, il se cachait un magnifique séjour en Andalousie. Pendant une semaine, notre mère et terre, vous étiez et vous découvriez tous les contrastes de l'Andalousie à travers un fabuleux circuit d'une valeur de 12 648 francs. Oh, dommage, perdu. Tant bon. Pis, allez, on tente. On y va? Oui. Rideau. Mais comment mangerez-vous ce superbe vélo VTT? Dites-le-moi, parce que c'est la dernière et j'ai envie d'être généreux, royal, je suis Bill. Et ça vaut 3 365 francs. Eh, c'est quand même mieux que des bonbons, non? Eh oh. Ouais, c'est mieux que des bonbons, mais enfin, on a perdu 2300 balles quand même, hein, ou 2500 balles, je sais plus combien il fait le vélo. Bon, Annie, c'est tellement mieux pour voyager. Annie, on se retrouve tout à l'heure pour le Big Deal quand bien même, sûr. De toute façon, je vous fais un bisou et puis... Continuez à exercer cette profession qui est très méritante. Merci beaucoup, Annie.
Allô? Allô? Voilà, allô? Bonjour, Vincent. Bonjour. Oh là là. Fatigué. Oh là. Fatigué, gaffe. Travaille de trop? Et picole de trop. Ah, il picole de trop. comment il s'appelle? Xavier. Il s'appelle Xavier? Ouais. Et où il habite, Xavier? À Mantes-la-Ville. Ah, ben bah, n'avait année à Mantes-la-Jolie. Ah, ouais, bah, il faut traverser le pont. Bah, vie. À la vie. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Xavier? Il est technicien de service après-vente. Ah, il est content, Xavier? Oh, heureux, ouais. Et on lui a téléphoné, il a décroché, et du coup, il va gagner du pognon. Eh? Xavier, il a gagné un VTT. Ah, bah, c'est super. Il est marié? Ouais. Il a des enfants? Deux. Oh. Eh. Il a déjà un vélo? Ah, bah, ma femme a un vélo, moi, je... Et vous, faites quoi? Non. Vous êtes sur porte-bagages? Ouais, c'est ça, ouais, à peu près. J'ai autant vous dire que le porte-bagages d'un VTT, il y a les machins qui font sur les crampons, c'est pas terrible, hein. On a gagné un VTT, Xavier. Après la publicité, vous aurez la possibilité de le remettre en jeu et de l'échanger contre le rideau. D'accord. En attendant, pour la dernière fois, c'est la pub. Et après la pub, la dernière épreuve de la saison. Pub. Votre mère est dans un état, je vous dis pas. On va aller très vite parce que nous sommes avec Anita qui est à deux doigts de nous péter un boulon et peut-être même de nous montrer ce qu'elle a mangé à midi, vous voyez. Donc on est à quoi, 30 mètres de haut, Anita? C'est rien, je vous assure. C'est rien. Regardez. C'est rien. Sans moi. Du tout, vraiment. Oui. Bon, nous on va descendre le long puis vous vous débrouillez. Hein. Nous avons Raymond au téléphone. Pas tout à fait, mais bon. Ah, c'est pas Raymond? C'est pas Raymond. Candidat suivant. Quel est votre prénom, rappelez-moi? Xavier. Xavier, ben c'est bien ce que je disais. Voilà. Xavier, vous avez gagné un VTT. Oui. Xavier, vous avez la possibilité de l'échanger contre le rideau pour la dernière fois de la saison. Alors, les enfants, on l'échange contre le rideau? Ah oui, ah oui. Bon, oh. Le rideau. On prend le rideau? On prend le rideau, allez, on est joueurs. On va peut-être prendre une claque, hein. Ah, bah peut-être. Rideau. C'est fantastique, je suis heureux de vous offrir un scooter avec en plus qu'un joli casque et le tout vaut 19 050 francs. Merci Bill. Ça valait le coup d'être chez soi le soir à 19h. Hein. Hein, ça valait le coup d'être le soir à 19h. Ah bah oui, tout à fait. Ouais. Je suis très content que ce dernier coup de téléphone de la saison rapporte un scooter. Ah ouais, là je suis content. Là. Salut à vous. Allez, au revoir. Quatrième et dernier big deal de la saison. Morgane, vous êtes venue accompagnée de votre maman, on se demande pourquoi. Vous auriez pu venir tout seul, parce que dans l'état où est Anita, là, ça va aller? Ça va. Vraiment, hein? Oui, oui, ça va. Faites quoi dans la vie, Anita? Je m'occupe de mes enfants. C'est bien. En dehors du vertige, vous vous occupez de vos enfants? Oui, mais je joue surtout au golf. Ah, vous êtes combien? 9. 8. Non. Si. Vous tapez 8? Oui. Je suis curé de la vie, là. Je suis curé de la vie, c'est une mère jeune, belle, avec 3 enfants, qui joue 8 au golf. Mais il est encore plus fort. Et moi, tu joues quoi, toi? 4. Oh! Bon, allez! Oh! Et vous avez l'audace de venir réclamer des cadeaux? Tu joues 4? Mais tu vas en faire ta... Je dis tu, parce que du coup, c'est un golfeur. Entre golfeurs, on peut... Quel âge avez-vous? 19 ans. 19 ans. Et à 19 ans, il tape 4, ce qui fait que... généralement, la maturité des golfeurs, hein, on dit toujours que le vrai golfeur, il est complètement mature aux alentours de 26-28. Séverian, il a intérêt à se faire des soucis, pépère. Vous êtes 4 et vraiment, alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout le golf, pour faire un parcours de 18 trous, il faut compter 72 coups. Et lui, il fait 76 coups. C'est, oui, ok, d'accord. On vous réexpliquera ça une autre fois. Bien, vous faites quoi dans la vie en dehors du golf? Étudiant. Une étudiant. Mais vous allez en faire votre profession du golf, non, ou c'est non, juste non, un plaisir? Un plaisir. Il y a du pognon à prendre, hein, dans le golf. Un petit peu, ouais. À la télé aussi. je vous propose de... D'abord, vous avez 3 enfants. Morgane est le plus jeune, plus non, vieux. Milieu. Il est le milieu. Il y a au-dessus une fille. Un garçon. Et en dessous une fille. Voilà. Voilà. Foutez-vous de moi, Anita. Non, pas du tout, pas du tout. Vous allez donc faire le dernier deal de cette saison. Et je vais m'adresser à Morgane parce qu'Anita, oui, on a essayé de lui dégriffer, dégripper les mains, là, mais il n'y a rien à faire, là. Bien, alors... ici,
des bombes. Il faut absolument détruire la flotte de Sa Majesté Bourg la Reine. Ok. Alors vous avez 5 projectiles. Sur les... Avec les 5, il faut faire péter les 3 bateaux qui se trouvent en 1A, en 2B et en C3. Alors bien évidemment, il ne suffit pas de le faire tomber dans la case. Il faut que ça soit très près du bateau pour que la vague fasse tomber le bateau. Ok, okay. Bill, on joue pour quoi? Eh bien, écoute, je suis vraiment heureux d'offrir un magnifique cadeau à Anita et son fils, puisque c'est un dîner à, dans un restaurant à 600 mètres d'altitude. Non, non, je rigole. C'est un superbe voyage. Je rigole, Anita. Qu'est-ce qu'il est rigolo, le Bill. Je vous offre, si vous gagnez, un superbe ça séjour de 10 jours dans une île qu'on appelle aussi l'île d'amour, et c'est l'île de Tahiti. Oui, à Tahiti, enfin, dans les îles de Tahiti, vous pourrez découvrir une faune coloriée sous-marine, des palmiers, des superbes jeunes filles qui dansent, et vous verrez des beaux bateaux, vous verrez, enfin, vous verrez tous. On verra tout ça. C'est combien de temps le séjour? C'est 10 jours et ça vaut 31 000 francs. Bon, on joue pour 3 patates. Et c'est un séjour pour 2. Tout à fait, mon ami Bar. Bon. Il y a un très beau golf à Papeete. Vous connaissez là-bas? Non. Ouais. Faut prendre un caddie pour le sac et faut prendre un mec pour le parasol. Hein, parce que t'es là. Allez, on est parti. Feu! Ouais, il est bon! Regardez. J'ai vu. Bon, allez, vite, on jette un autre maintenant. Allez, on en jette un deuxième. Oui. Il y a un port d'être sur Paris, il faut y habiter. Bon, alors, 2 sur 2, c'est de sans faute. Il vous reste 3 projectiles pour faire péter le C3. Qu'est-ce qu'on fait? On joue le voyage de Tahiti ou on laisse tomber et on prend ce qu'il y a derrière le rideau? Bon, on va jouer. Vous connaissez Tahiti? Pas du tout. Le mieux c'est de jouer, le mieux c'est de redescendre le plus vite, pas hein. Tahiti ou le rideau, je m'en fous qu'on descende. Bien, allez, on joue pour le voyage à Tahiti. Avant de jeter ça, écoutez ce qu'il y avait derrière le rideau. Quel dommage, vous avez perdu un magnifique scooter des mers avec sa remorque. Et savez-vous combien ça vaut? Sachant que le scooter vaut 37 700 francs et la remorque 3 870 francs, vous venez de dire au revoir à 41 570 francs. Vous avez fait comme ça, vous avez dit au revoir. Il n'a pas le permis bateau et puis de toute façon, quand on fait du jet ski, ça fait un muscle sur l'avant-bras qui empêche après de vriller le poignet et sur le fer-7, on est emmerdé avec ça. Si. Non, parce que le golf, ça a l'air très simple comme ça, mais c'est pas le tout. Hein. Il suffit pas de prendre un drive, d'arriver sur le tee, de balancer le fairway et en deux coups tomber faire le par. Non, après, avant, il faut apprendre l'anglais. Allez, on fait le C3. Ah non, là, il est raté, là. Ouais. Bravo, Paris. Ouais, Paris. Paris, tu trouves du boulot pour septembre. Bien, qu'est-ce allez. Qu'est-ce qui s'est passé, Vincent? Rien. Il y a Paris, Paris, il fout la merde. Bon, eh bien, écoutez, c'est de la faute de Paris. Et bien évidemment, donc, vous avez gagné grâce à l'erreur de Farid. Bill. Vincent, mon ami Vincent. Puisque c'est la dernière, tu vas souhaiter bonnes vacances à tout le monde. Et d'accord. Puis nous, on va descendre tranquillement. On va se retrouver sur le plateau pour faire le dernier rideau de la saison. Et ensuite, je vous présente toute l'équipe qui a... Non, après, on fait le Big Deal. Et ensuite, je vous présente toute l'équipe qui m'a aidé à monter cette émission, le Big Deal. OK? Eh oui, c'est la fête, c'est bientôt les vacances. Et regardez, c'est chouette, c'est super. C'est ça les vacances, c'est ça, le 14 juillet, ce sera ça le 15 août. Eh oui, chers amis terriens, moi je reste sur la terre pour passer mes vacances. Et j'espère que tout le monde passera des super vacances au soleil, à la montagne, au bord de la mer, à la campagne. Enfin bref, que tout le monde soit heureux. Mais en attendant, oh là là, c'est beau. Oh la belle rose, oh là là, la belle verte. Oh, c'est fantastique, c'est magnifique. En attendant, chers amis, je vous demande d'accueillir celui qui vous a distrait, séduit, qui vous a fait rire, qui est mon ami, qui est votre ami, qui est l'ami de tous les terriens de la planète Terre du monde mondial, l'extraordinaire, le sémillant, le formidable, le fantastique, Vincent Lagarde. Allons-y. Nous ne sommes bien que sur le plancher des vaches. Alors, parce qu'on a beaucoup papoté comme ça, on a appris qu'Anita et Morgane étaient golfeurs tous les deux. Et donc, quand ils se sont inscrits, ils ont dit, parce qu'ils demandent, on fait un questionnaire, si vous voulez participer. Et Anita était persuadée qu'on allait lui proposer un jeu sur le golf. T'as raison, 30 mètres de haut, vas-y, jette les boules sur les bateaux. Vous avez gagné un voyage à Tahiti de plus de 30 000 francs, que décidez-vous? Vous le gardez ou vous l'échangez? Non, on garde. Vous le gardez? On le garde. Mais, en plus, je vais vous dire...
Parce que moi je tchatche avec les copains et tout ça, machin. Là, parce que, du coup, tu sais tout, pourquoi il garde le voyage? Parce que lui, il est en première année de médecine, il va peut-être passer en deuxième année de médecine. Alors pour le remercier, on va lui payer un voyage au Brésil et lui, du coup, il file le voyage à Tahiti. Ah. Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Quel dommage, on aurait pu aller à la fac de médecine avec la belle voiture dont vous n'avez pas voulu. Oh, les boules. Une superbe voiture à 57 000 francs que même vous, chers amis téléspectateurs, vous pouvez essayer de gagner en composant le 3615 code TFA ou en faisant sur votre numéro de téléphone, non, sur votre téléphone le numéro suivant, le 08 36 66 10 00. C'est la dernière fois que je le dis. Très bien. Allez, on est parti pour le big deal. Le dernier big deal. Voici le dernier big deal avec en première position Anita et Morgan, 31 000 francs. Deuxième position, Irène, 21 000 francs. Troisième position, Alain et Corinne, 10 000 francs. Et enfin, quatrième position, Annie, avec 3 365 francs. Et voilà. Donc, je répète, nous avons Morgan et Anita en premier, Irène en second. Tout à fait. En dernier, Annie. Et Alain et Corinne, troisième. Alain et Corinne en troisième. Très bien. Voilà. Vous avez gagné ce voyage à Tahiti. Le gardez-vous, le remettez-vous en jeu. On le garde. Vous le gardez, vous avez tout à fait raison. Ouais. Bon voyage. Merci. Et vous nous envoyez une petite carte de Tahiti. Hein. Okay. Ou votre maman. Mes amitiés à votre époux. Il joue au golf, lui aussi, j'imagine. Bien sûr. Eh oui. Et il est aussi bien classé que vous. Ah ben non, il a moins le temps, il travaille, lui. Il est 11. Ah, d'accord. Ça énerve ces familles qui réussissent tout comme ça. Irène, qu'est-ce qu'on fait? Irène, petit bouchon. Vous jouez au golf, vous? Non. Non? Non. Vous êtes classé quoi, vous? Je suis déclassé, moi. Irène, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez gagné quoi, vous? Caméscope. Un caméscope. À combien? 21 000 francs. Deux patates, le caméscope. Ça se revend. Je garde. Vous le gardez? Je crois que c'est plus sage. Alain et Corinne, vous avez gagné 10 000 francs, une patate. Vous pouvez tout reperdre ou gagner une voiture. Non, on laisse la place à... Mais on les garde. Que c'est beau! Annie, passez devant. Décalez-vous un tout petit peu. Décalez-vous un tout petit peu. Annie, on s'en sort bien sur ce coup-là. Oui, alors là... Et on part de 6 000 à 200 et là, d'un coup, vous avez peut-être... Non, 3 000, Vincent. 3 000. 000, oui. Oui, non, parce qu'elle avait quand même 6 000 au départ. Oui, mais elle maintenant, elle avait un vélo VTT. À 3 000. Maintenant, oui, voilà, mon ami Vincent. Maintenant. 3 billettes. Une rose, une jaune, une bleue. Qui voterait pour la rose? Qui voterait pour la jaune? Qui voterait pour la bleue? Ah, la bleue n'a pas... Vous prendriez laquelle, Morgane? La jaune. La rose. Irène. Bleu. La bleue. La rose. La rose. La rose. La rose. Moi, je prendrais la bleue. Ça sera toi que je prendrai, mais comme le roi et la reine ne le veut pas, ça ne sera pas toi. Ça sera toi que je prendrai, mais comme le roi et la reine ne le veut pas, ça ne sera pas toi. Il reste la bleue. Allez, la bleue. Il y a le monsieur, il monte son t-shirt comme ça, mais il est blanc, il n'y a pas de billette blanche. Allez, qu'est-ce que dit? La bleue. La bleue. Regardez ce qu'il y a derrière la rose. Derrière la billette rose se tenait, et vous n'en avez point voulu, car il ne faut pas se cacher la vérité. Il y avait les bagages de Bill, d'une valeur de 550 francs. Alors, là, c'est tout rien maintenant. Hein. Allez, la bleue. On change pas. On change pas. Même si je vous conseille de changer. Même si vous me conseillez de changer, je garde. Je vous dis, la voiture n'est pas derrière la bleue. Et vous prenez la bleue quand même. Je prends la bleue. Vous prenez la bleue. Regardez ce que vous avez gagné. Derrière la billette bleue, vous avez gagné, c'est extraordinaire, je suis heureux de vous le dire, la voiture! Une voiture à 119 500 francs! 12 patates, regardez cette superbe voiture! Elle est magnifique! Oh là 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 là, au revoir, oh, j'en ai marre! Je ne vous mettez pas dans cette. On va pas monter dedans parce qu'on va la ressortir, mais elle est à vous!
C'est un petit cabriolet, deux places, et c'est le dernier cadeau du Big Deal. Ça vous plaît? Un grand merci à vous. Ben non, mais vraiment du fond du cœur. Allez, débarrassez-moi cette voiture, elle est à vous, on la retrouvera tout à l'heure à la fin de l'émission. Vous allez repasser par le tunnel, vous allez repasser par le tunnel. À tous, merci d'avoir participé, merci d'avoir été... Et vous nous envoyez une carte postale. Hein. Okay. Annie, passez par le tunnel, passez par ici, merci beaucoup. C'est bien, bravo. C'est ainsi que se termine ce dernier Big Deal de la saison. Et je voudrais vous présenter tous les copains qui m'ont aidé à participer et à monter cette émission. Avec, nous avons toute l'équipe technique des Rhodes. Il y a Aspect que vous avez reconnu, les gaffettes. Mais il y a aussi toute une équipe de son, toute une équipe de lumière. Il y a des maquilleurs, il y a des coiffeurs, il y a une secrétaire, il y a des cadreurs, des assistants cadreurs, il y a un service de sécurité, il y a une costumière, il y a un car régie, il y a des décorateurs, des décoratrices, il y a des peintres, il y a des couturiers, il y a les porteurs, il y a les accrocheurs. Il y a Bill, il y a Bill que l'on connaît très peu, il y a Bill ici, il y a le visage de Bill, David qui est le visage de Bill, notre mari Lédis, et il y a Gilles Potier qui lui est Bill, il y a Christian qui passe tous les textes, il y a notre régisseur préféré, mon beau-frère Frédéric Bénard, il y a la directrice artistique qui n'est autre que ma femme Véronique Lagaffe, il y a également les pompiers, tout le service de sécurité, ceux qui vous préparent les cadeaux avec Fabrice Muller, Ayoun, avec toute l'équipe de Gilles Barthélémy et de Bernard Faux. Il y a tous les bureaux qui sont là. Il y a ceux qui recherchent les candidats, ceux qui recherchent les gens du public, ce qui fait une grande équipe d'à peu près 200 personnes, dont 150 sont ici. On se décale un tout petit peu. Décalez-vous un petit peu. Décale-toi un petit peu. Et on se termine sur les images du Big Deal. On vous dit à tous... Plein de bisous, plein de choses. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison complète. Et ce, à partir du 24 août. Ciao, bye bye, merci à tous. On vous aime, bonnes vacances, à bientôt.